Le duo que nous propose aujourd'hui Smart est on ne peut plus homogène. Même largeur, 1m66, même hauteur, 1m55. Seule leur longueur diffère avec 2m69 pour la Fortou contre 3m49 pour la Fort-Fort. Toujours aussi jovial mais désormais modernisé, leur style apparaît plus sérieux que par le passé, avec même une pointe d'agressivité quand on se penche sur leur calandre à la structure perforée. Quant aux futurs utilisateurs, ils seront ravis d'apprendre que la Fortou et la Fort-Fort disposent de panneaux de carrosserie en plastique hautement déformable, capables d'absorber sans broncher les petits chocs liés à la conduite urbaine. Que resterait-il de la Smart Fortou si elle venait à percuter une grosse berline allemande de plus de 2 tonnes? La réponse, en image, avec ces deux véhicules lancés à 50 km/h dans un choc frontal. Bilan, grâce à sa fameuse cellule de sécurité Tridion, la micro-citadine s'en sort avec les honneurs. Certes, sa planche de bord est légèrement pénétrée dans l'habitacle, mais la présence de série de 5 airbags, dont un dédié au genou du conducteur, aura permis d'épargner ses occupants. Il en va de même, évidemment, pour la Smart Fort-Fort. Le test est donc très concluant. Si la nouvelle Smart Fort-Fort partage plus de 60% de ses composants avec la nouvelle Twingo, son habitacle n'est en aucun cas un copier-coller de celui de la française, bien au contraire. Sur ce point comme sur celui de la carrosserie, les designers de la marque ont eu carte blanche. À peine remarque-t-on quelques éléments communs tels que le levier de vitesse, l'écran multimédia, les commodos ou encore l'affichage de la vitesse en demi-cercle. Pour le reste, Smart a choisi, comme nombre de constructeurs, de jouer la carte du bicolore pour égayer l'intérieur de son véhicule. Identique dans la Fort-Fort et la Fortou, la planche de bord et la partie centrale des contreportes sont garnies de tissus alvéolés façon mèche, à l'image de certaines chaussures de sport. Côté coffre, la Fortou gagne 40 litres par rapport à celui de la précédente génération, à hauteur de 260 litres. Il conserve au passage son ouverture à haillons divisée en deux parties. La Fort-Fort affiche, elle, 185 litres de chargement, une valeur identique à celle de la Fiat 500. Très vive, mais pas assez confortable pour beaucoup, la précédente génération de Fortou n'est désormais qu'un lointain souvenir. Smart a en effet tenu à rendre sa micro-citadine plus homogène et cela marche. Grâce à ses voies élargies de 10 cm et ses nouveaux trains roulants, la petite puce allemande, au même titre que sa grande sœur Fort-Fort, prend davantage soin de vous. Certains la trouveront moins dynamique que par le passé, mais elle demeure malgré tout très sympathique à mener dans les petites rues de Barcelone. Surtout qu'avec son diamètre de braquage record de seulement 6,95 m, aucun virage ne lui résiste, même les plus serrés. Un exercice dans lequel la Fort-Fort est loin d'être ridicule, puisqu'elle s'en sort mieux que la très agile Renault Twingo. Enfin, pour ce qui est des moteurs, nous vous conseillons d'opter pour le 3 cylindres 900 cm3 turbo de 90 chevaux, qui est selon nous plus péchu et plus confortable au quotidien. Ceci étant, sa consommation n'est pas son point fort, en raison d'un étagement de boîte trop long, qui fait que l'on reste quasiment tout le temps en troisième pour éviter de manquer de punch en quatrième. Un problème que Smart devrait, on l'imagine, régler dans les mois à venir. Sachez enfin que l'ancienne boîte robotisée n'est plus au catalogue, remplacée pour la toute première fois par une transmission manuelle, en attendant l'arrivée d'une future boîte à double embrayage. C'est au cœur du centre de recherche automobile de Balocco, l'un des fiefs du groupe Fiat Chrysler Automobile, qu'Alfa Romeo fêtait les 60 ans de la Giulietta. Un modèle de légende qui a permis à l'époque de décupler la production industrielle d'Alfa Romeo au milieu des années 50 et dont la saga perdure encore aujourd'hui. Il faut donc remonter 60 ans dans le passé, en 1954, pour voir naître cette belle italienne. Elle reprend, diront certains, le prénom de la célèbre actrice Giulietta Masina, femme de Federico Fellini, qui pose ici en 1960 devant le 100 001e exemplaire sorti de l'usine du Portello, près de Milan. La Giulietta s'est rapidement imposée comme l'un des symboles de la Renaissance italienne d'après-guerre.
Après le succès de la 1900, Alfa Romeo présentait un coupé agile, compact et très performant qui allait marquer l'entrée du constructeur dans la catégorie des voitures de petite cylindrée et ainsi permettre son envolée industrielle et commerciale. Ce modèle mythique se distingue au premier coup d'œil par ses lignes élancées signées Berton. Le carrossier exploitait ici les nécessités aérodynamiques avec une grande rationalité pour un résultat d'une rare élégance. La face avant notamment arbore la calandre et les grilles latérales typiquement Alfa Romeo, mais ici dans une déclinaison parfaitement modernisée. Cette année 1954 marque aussi la naissance d'un autre mythe, le fameux moteur à double arbre de 1290 cm3, très révolutionnaire pour son époque, caractérisé par une utilisation massive de l'alliage d'aluminium. C'est ainsi qu'est née la Giulietta Sprint, coupée 2+2, produit jusqu'en 1962, auxquelles viendront s'ajouter notamment les versions plus puissantes, Sprint Veloce ou les Sprint Special, aux lignes très effilées, sans oublier bien sûr les très sportives versions SZ et SZ Koda Tronka, optimisé pour la compétition. Et bien sûr, le fameux Speeder signé Pininfarina. Mais c'est bien sûr surtout avec la berline, lancée en 1955, que la Giulietta allait rencontrer le plus grand succès et permettre au plus grand nombre de goûter enfin au plaisir de rouler en Alfa Romeo. Plus de 177 000 exemplaires, toutes versions confondues, sortiront des chaînes. On peut sans aucun doute affirmer que la Giulietta a inventé la catégorie des voitures de 1300 cm3 qui allait rapidement se développer à l'échelon européen. En 1955, il n'existait pas au monde un autre modèle possédant de telles caractéristiques mécaniques et de performance que la Giulietta. Une deuxième génération, à la ligne cunéiforme très caractéristique, allait suivre avec succès à partir de 1977, avant que l'actuel modèle ne soit lancé pour le centenaire de la marque en juin 2010. Cette nouvelle génération est la digne héritière de la lignée et rend hommage aujourd'hui à la première du nom, en lançant la série spéciale Sprint du modèle contemporain de Giulietta, aux attributs sportifs et aux motorisations dynamiques. De nouvelles pages de l'histoire de la belle italienne sont donc encore à venir. Nous sommes sur le circuit Bugatti, lieu de légende, emprunté en partie par les prototypes d'endurance lors des 24 heures du Mans. 64 heureux propriétaires de GT s'étaient donné rendez-vous pour la quatrième fois cette année afin de participer au Pirelli P0 Experience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des P0 Experience. Ces journées, en plus de vous permettre de rouler sur circuit en toute sécurité, sont l'opportunité de découvrir les produits Pirelli, dont le savoir-faire au service de la performance remonte déjà à un petit moment, une époque où la Ferrari F40 était la référence parmi les supercars. C'est la première fois donc en 1987 que Ferrari, un constructeur automobile, fait appel à un manufacturier pour développer un pneumatique sur mesure. Depuis, Pirelli a étendu sa gamme de produits à d'autres marques, avec à ce jour plus de 250 homologations, répondant à autant de GT et de caractères différents. Porsche, c'est un moteur arrière, une Ferrari c'est un moteur central, une Audi c'est un moteur avant. Donc Pirelli, c'est vraiment le pneu premium, c'est-à-dire des voitures de sport, des voitures qui sont très performantes, mais avec le pneu qui soit fait typiquement pour ce genre de véhicule. La relation entre les constructeurs automobiles et le manufacturier est aujourd'hui encore plus étroite, comme le montrait le plateau de GT présent au P0 Experience. Toutes les voitures qui sont présentes aujourd'hui et qui ont été essayées par les blogueurs ou par les clients et par les possesseurs d'autres voitures sont bien évidemment équipées en Pirelli. Ce sont des voitures qui sont développées en même temps que le développement des pneumatiques. Et c'est un binôme qui démarre lorsque le projet est encore sur le papier. Ces produits sont donc créés sur mesure, à tel point que Pirelli a ajouté sur ses pneus un marquage spécifique
en fonction des constructeurs. Chacun a son code, donc c'est un marquage qu'on retrouve sur le flanc du pneumatique. F pour Ferrari, MO pour Mercedes, MC1 pour McLaren. Le fruit de cette collaboration est concrétisé aujourd'hui dans la gamme Pirelli P0, dont ont pu profiter justement les participants de cette exceptionnelle journée, qui plus est dans des conditions météo changeantes, permettant de cerner au plus près les qualités d'adaptation du pneumatique. Les participants pouvaient en outre compter sur un encadrement de prestige, puisqu'en plus d'être conseillés par les moniteurs d'Oreca, Jean Alési, ambassadeur pour la marque Pirelli, partageait sans retenue sa science du pilotage. Le P0 Experience, en fait, c'est une journée sur un circuit où on peut vraiment utiliser son véhicule dans des conditions extrêmes parce qu'on ne peut pas faire la même chose sur la route. On arrive à finalement mettre en valeur le travail des techniciens qui est énorme et qui est finalement un peu la partie cachée de l'iceberg. Sans jamais oublier que les journées Pirelli P0 Experience, c'est avant tout une histoire de plaisir de conduite, du lever du jour au coucher du soleil.